Et salut la compagnie et bienvenue à tous sur KO Gaming, c'est KO, on se retrouve pour la suite du tournoi Tekken 4 du côté contre la montre avec un épisode de folie la dernière fois puisque j'ai battu deux records personnels et forcément ils sont les deux premiers et pour l'instant Jin Kazama, premier provisoire de ce contre la montre de ce tournoi Tekken 4 en dauphin, Julia Chang qui a terminé vraiment très très bien l'épisode avec juste 13 secondes de différence avec Jin Kazama. Allez, on passe à la suite et aujourd'hui nous allons commencer notre tournoi avec Warang. Warang qui a un record personnel de 3 minutes 36 secondes et 46 centièmes. Je vous disais que les records ils étaient très très rapprochés. C'est difficile de faire mieux à chaque fois. Mais bon, c'est le jeu. Allez, il restait 3 plombes par terre, c'est pas juste ça. Là, je rattrapais un peu le scandale. Donc Paul en stage 1, il m'avait plutôt bien réussi à la dernière fois en stage 7 à chaque fois. Voilà. On le lâche pas, voilà, parfait. Des enchaînements à la lettre pour Warang. Spécialiste des pieds avec son style de combat de taekwondo. Voilà, et le non-respect de l'adversaire également. Combien il nous reste de perso 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 assez encourageant. Oh là. Bon, le petit coup uppercut à la fin. Faut pas le lâcher. Le tenant pour l'instant du titre. Enfin, le gagnant potentiel de ce contre-la-montre. Non. Oui. Parfait, ça va. Je voulais le faire avant le coup chargé, mais au final, ça m'a plutôt bien aidé. Alors j'aime vraiment en tenue de militaire Warang dans cet opus. On ne le reverra jamais comme ça. Je préfère plutôt qu'en tenue kimono et cheveux longs. Même si c'est sa tenue officielle. Là. Ok. On nous aura un peu tenu la grappe, mais on arrive quand même à s'en sortir. Moins d'une minute, milieu du stage 3. Même si j'ai pas délivré mon meilleur combat, je dois avouer. Il est chiant. Là. Boum. C'est juste parfait. Allez, ben on est parti avec Lei Wulong. Allez. Évidemment, hein, en stage 4, il commence déjà à être pénible. Oh,
Oh, heureusement que j'ai des grandes jambes. Oh là là, il m'a fait perdre un temps fou. Pas possible d'avoir inventé un personnage pareil. Hein. Allez, 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 faut pas faiblir. Il bloque tout. C'est un combat de blocage. Là. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je suis obligé de faire des coups en plus qui ne rentrent pas dans ma tactique, mais peu importe, je suis obligé de diversifier au maximum face à un mec comme lui. Son coup sauté à Warang est tellement puissant par rapport au jeu suivant, ce qui est incroyable. Le coup sauté sur place est... Alors je vais pas dire qu'il est nul dans les suivants, mais j'avais une petite préférence pour celui-ci quand même. Merci de me remettre de ce côté, je préfère. Aïe 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 aïe. Mais arrêtez de bloquer, bon sang! Oh! Vous allez crever de toute façon. Arrêtez de bloquer. Incroyable! J'avais fait une bonne entame et puis Xiaoyu qui me tient encore en échec à la fin. Warang n'a pas trop de chance, hein, et c'est pas de la mauvaise volonté. Hein. Non, c'est trop bas, putain. Là, ça passe! C'était ouf, hein. Parce que là, vu qu'elle s'est relevée, heureusement, avec ma souplesse, son coup de pied passe en dessous de ma jambe. Alors les temps sont pas terribles, mais j'avoue que la qualité des combats sont au rendez-vous par contre. Hein. 2,41. Ça va être chaud de remonter. Hein. Et il a voulu me faire le... La chope interminable. Ah! Ça bloque, regardez-moi ça, quoi. C'est fou, hein. Bon, alors, la prise de vue du ralenti est pas terrible, hein, derrière le mur. Voilà. On peut faire mieux, la caméra. Ah, putain. Et en plus, il s'est bien décalé par rapport à son placement au début du combat. Ou pas. Ouh, bon bah au moins, heureusement que j'étais gagnant du premier round. Alors si ça avait été le cas en final round, un double KO, je ne passe pas. La victoire revient à l'adversaire. Bon. C'est vraiment en dents de scie là, on a plein d'émotions avec ce passage là. 3 minutes 25, bon le record est foutu hein, bien entendu. Mais je ne pourrais pas dire que c'est de la faute de Warang. Oh putain. Là c'est moi qui ai fait l'imbécile. Oh la vache, il me lâche pas putain. Oh là là. Ah, j'ai des adversaires là, mais oufissime. Hein. J'ai hâte de voir vos commentaires, voir ce que vous pensez de la prestation de Warang. J'ai pas l'impression de mal jouer, hein, concrètement. Oh, c'est pas vrai. Come on.
Là, le point pour aller plus vite. Ah là là, il m'aura tenu la grappe encore. Je sais que je ne fais pas un super temps. Warang est vraiment mis en difficulté. Ah, ça m'attriste un petit peu parce que c'est vrai que je fais vraiment pas des mauvaises prestations là. Ouais, 4-18. Round 1. Fight. Ah! Ça passe. Là! Magnifique le coup final. Avec l'écran géant derrière pour le public. Le dernier ne passe pas. Alors, il aime bien me mettre par terre, lui. Putain. Là, 4-56-38. Bon, c'est pas un très bon score. Hein. J'évite les 5 minutes, mais bon, malheureusement... J'ai fait tout ce que je pouvais. Hein. Malgré les bonnes techniques. Bah, Brian et Lei. Encore Lei. Hein. C'est encore contre Lei que je fais le plus mauvais score. C'est incroyable ce mec. Hein. Je sais pas quoi faire avec lui. Hein. Et Brian aussi. Hein. C'est dommage. Hein, vous enlevez 40 secondes. 20 sur le stage 4 et 20 sur le stage 7, et ben je fais un score appréciable quoi. Hein. Même si ça aurait pas été le meilleur. Bon, je suis tenu en échec avec Warang. Allez, on passe au suivant, on perd pas de temps, on est déjà à 12 minutes. Et le suivant, donc comme vous le voyez, c'est Marshall Lau. Un Lau qui avait fait une performance ridicule contre, en survie avec seulement 7 victoires. C'est pareil que Jin, c'est le moment de montrer ce qu'on sait faire et de remonter au milieu du classement. Voilà, avec un Lei qui, espérons, ne nous emmerde pas. Il est au stage 1, il nous emmerde, c'est incroyable. Bon, 14 secondes, ça va. Allez, Marshall. Je vous rappelle que Marshall Law, c'est son premier tournoi. Hein. C'était son fils. J'avais déjà dit lors de son passage en survie, mais ça me semble important de le rappeler. Pfff. 27 secondes pour ce temps pas fait. Bon, au moins il est passé. Si je pouvais avoir une Julia en stage 2, au moins je suis sûr. Non. Allez, on tient le bon bout. Il n'y a qu'à 27 secondes, hein, mais... Oui, non. Un peu trop loin, malheureusement. Là, j'ai pas voulu le faire contre Lei parce qu'il m'a cassé les bonbons, mais il faut le placer, il faut arriver à le placer. Et quoi de mieux que les coups de poing au début, on va essayer de faire cette tactique là. Ah, il va en arrière, dommage. Bon, ça ne marche pas. Allez, putain, il nous résiste. Ah, c'est pas bon, hein, les temps, c'est pas bon. Le deuxième round n'est pas bon pour Lau. Heureusement que j'avais fait un très bon premier. Ça compense, mais bon.
pour l'instant, Marshall Law ne fait vraiment pas un bon tournoi. On est qu'au stage 2, 3, hein, mais au stage 3. Mais bon, il va falloir se réveiller là-haut. Oh, putain, j'y crois pas. Quel emmerdeur. Incroyable. Allez. On le lâche pas, on le lâche pas. Putain. Je sentais qu'il allait aller de l'autre côté, c'est pour ça que j'ai fait un coup de pied retourné direct. Ouh là là, il va falloir faire mieux que ça, Marshall. D'ailleurs, je vous ai pas donné son record. Law, son record est de 3 minutes 25 secondes et 85 centièmes. Mais bon, ça va être compliqué à battre. Tel quand même, je suis parti là. Non. J'ai plus de mal à faire le coup chargé que certains. Putain, j'y arrive pas. Ça y est. Mais bon, à quel prix, hein ? Le temps que je le fasse. Le temps que je fasse et le temps qui passe. Non. Non. Vous voulez me faire perdre du temps quand vous êtes par terre. Faites une roulade sur le côté. Hein. Vraiment, dans tous les Tekken, c'est vraiment le truc qui me déstabilise. Parce que ça perd tout mon axe. Ou, vu que je suis sur un espèce de tempo au frame, bah forcément, par rapport à si vous faites une roulade avant ou une roulade arrière. Forcément, ça ne va pas. Ah non, il est pas allé, forcément. Oui, 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 oui. Ah putain, ça passe à côté. Bon, lui aussi. Bon, imperfect, mais pas fameux, hein. Je vous rappelle que je ne suis qu'en stage 5. Oui, 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 oui. Oh, alors ça, c'est bien, ça. Alors là, magnifique deuxième round. Juste parfait. Bon, je rattrape un petit peu le retard. Mais notre ami là, ouais, il faut qu'il soit vraiment dans les premiers, hein, pour qu'il fasse comme Jin. Ce serait magique, hein, si je faisais la même chose, mais bon, 2-30, ça va être chaud, hein. Non. Oh là là. Bon, 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 ouais, mais hein, j'ai encore un stage 7. C'est le stage 7 qui m'embête, hein, parce que j'ai toujours un stage de retard. Et Brian ne me laisse pas lui faire mon coup chargé. Ça ne passe pas. Oh là 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 là, j'allais le finir. Bon. Le stage 6 s'est plutôt bien passé. Mais j'ai déjà entamé les 3 minutes. Et je ne passe qu'au stage 7, malheureusement. Ouais, j'ai vraiment un combat de retard. Le combat de combo, là, j'aurais dû le terminer maintenant, quoi. Round 1. Fight.
si j'arrive pas à faire ce que je veux faire. Et non. C'est pas bon. On va y arriver, mais bon. Bon, et cela dit, il me pose pas trop de problèmes en termes de vie. Hein. Mes défenses sont très très bonnes. Mais j'arrive pas à percer rapidement leur défense à eux, quoi. Et non, j'ai réussi, mais... .338 on vient juste de terminer avec Julia qui a fait 3.33 la dernière fois. Bon, c'est pas un résultat catastrophique, mais il est pas exceptionnel non plus. Il me reste encore Hayashi, comme d'habitude. Allez. Non. Pas réussi. Oh. 3.58. J'ai du mal à m'y mettre, mais c'est pas encore la catastrophe. Il me reste, cela dit, un round. Faut que j'arrive à le faire, ce coup chargé, bon sang. Voilà, sauf s'il me défonce, bien sûr. Ça rattrape. Ça rattrape un petit peu. 4 minutes, 11 secondes et 65 centièmes. On est devant Kuma, quand même. C'est pas le meilleur score. Mais il est bien plus honorable que le score en survie. Et qui me tient en échec, concrètement, c'est Combo. Mais... C'est pas mauvais en soi, hein. 36 secondes, mais voilà, ouais, 6 secondes de trop pour Combo, 6 secondes de trop pour Xiaoyu, et je suis en dessous de la barre des 4 minutes. Hein. Et encore une fois, 27 secondes pour un stage 1 avec Lei, c'est pas bon quoi. Stage 1, il faut aller plus vite que ça, mais bon, quand on a un imbécile et un pénible comme lui, eh bien on peut pas faire autrement. Allez, on passe au troisième et dernier passage de ce contre-la-montre aujourd'hui, bien sûr, hein, c'est pas fini, il en reste d'autres. Et je veux parler aujourd'hui de Heihachi Mishima, beaucoup moins bien placé en termes de mes records que en survie. Bon, après, c'est pas non plus une catastrophe. Hein. Record d'Heihachi Mishima, 3 minutes 23 secondes et 38 centièmes. On est encore au-dessus du record de Jin que j'ai fait la dernière fois. Quand je vous dis que c'était un très bon score, j'étais très content de ce que j'ai pu faire. Là. Bon. 14 secondes. J'ai peut-être fait 4 secondes de trop. On va voir. Faut pas la lâcher, elle. Là, 28. Bon, bah, ouais, j'ai fait 14 secondes, les deux. Il va falloir faire mieux que ça, notre ami Hachi. Alors, ce sera le... Je crois que c'est le seul à avoir un... Je sais plus si j'affronte... Kazuya en finale, en contre-la-montre. En mode arcade, oui, bien sûr. Mais en contre-la-montre, je ne sais pas. On verra bien. Je ne m'en rappelle plus. Non, mais t'es sérieux, là. Et il est chiant.
Oh, le temps perdu, histoire de me faire de me mettre par terre. À chaque fois. You win. Round 2. Fight. J'aurais pas dû faire ça. C'est compliqué, j'arrive pas à... Je fais pas des mauvais scores, mais j'arrive pas non plus à en faire des exceptionnels. Voilà, bois la tasse, Brian. Donc, Marshall Law. Alors, je connais le coup chargé de Heihachi, mais... pas très optimisé. On peut faire mieux. Je me dirais, je peux faire mieux que ce que je fais actuellement aussi. Putain, il va m'emmerder pour un tout petit morceau de vie là. C'est pas vrai. J'ai l'impression de revivre le passage de Warang. C'est pas vrai. Là, il laisse aucune chance. Et l'autre derrière qui reste là. Bien. Julia Chang. Il va falloir taper Heihachi, vraiment. 1-29, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Round one. Fight. Et ce serait bien de taper dans le mille. Oh. Évidemment. Mais arrêtez, putain. Le coup. Mais c'est pas vrai. Mais c'est, putain, incroyable. Oh là 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 là, elle me fait le combat parfait. Elle me bloque tout. Elle se met sur les côtés. Et elle met tous ses attaques offensives dans la tronche. C'est incroyable. Mieux, mais bon. Et encore une fois, hein, Julia, hein. Julia ou Lei, hein, on a le choix entre les deux, hein, les deux pétrouilles de base. C'est quand même dingue. Dites-moi quelles sont vos bêtes noires, vous personnellement. Peut-être pas les mêmes. Mais les deux, moi j'ai vraiment du mal. Ouais, bah là, ça va mieux. Ah, le premier round, mais vraiment incroyable. Si vous avez vu comme elle tourne autour de vous, histoire de vous faire tourner en bourrique. Ah là là, stage 5. J'ai fait une minute presque. Eh oui, j'ai fait une minute. Round 1. Fight. Ils sont pas très réceptifs. C'est mieux. Alors le coup là où il me bloque, là, je comprends pas encore, mais bon. J'arrive quand même à reprendre l'ascendant. Round 2. Fight. Là, bon. Là, j'ai repris un petit peu de mon retard. Après une minute face à Julia, j'ai fait combien? 20 secondes contre King.
Ça fait à peu près un équivalent de 40 secondes les deux matchs, donc ça compense un petit peu. Mais bon, stage 6 de minute 50, c'est pas bon. J'ai eu un vieux lag là. Combat familial. J'adore écraser les combattants à la fin là comme ça là. Tiens. Le mec il s'arrête jamais. Je passe à côté, c'est incroyable. Je vais encore me faire avoir. Non. C'est laborieux, alors que Heihachi, je le contrôle tellement bien d'habitude. 3-23, c'est pas bon du tout. Ah, fais pas le malin. Bien. Il nous en reste deux, Xiaoyu et donc le fameux finaliste inconnu. De toute façon, ce sera soit Heihachi en double, soit Kazuya. On verra. Ce sera pas Jin, hein. J'en suis persuadé. You win. Allez, là c'était plutôt pas mal. Évidemment, encore ces roulades sur le côté, ces foutues roulades. Mais regardez-moi ça, elle bloque tout! Même mes trucs en bas, quoi! Rien à faire! Putain! Mais qu'est-ce que je peux faire? Oh la vache, mais je prends trop cher! Coincé. Pourquoi j'arrive pas à la frapper là? Je ne sais pas, putain! Dégage de la montée! Putain, mais. Mais. Y'a rien à faire! Oh la vache! Ah, je suis vraiment pris en traître là. Je sais pas quoi faire contre elle, quoi. C'est pas possible. Ah, la tenue en échec face à un favori contre Heihachi. Mais alors là, c'est vraiment l'humiliation totale. Oh putain! Ça suffit! Mais regardez-moi ça! Oh là 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 là! Oh putain! Mais sérieusement, mais. Qu'est-ce que je peux faire? C'est impossible d'aller plus vite avec une gamine pareille là! Increvable! Elle est increvable! Ah bah alors là, si je m'attendais à être dernier avec Heihachi. Oh la vache, 5 minutes 26. Ah ouais, non mais là, le dernier c'est Miharu, qui est à 5.39. Oh, c'est la caca catastrophe. Incroyable. Et donc ce sera bien mon double. C'est fou. Perrier, c'est fou. Round one.
Allez, on n'a pas le temps. Putain. Là, c'est mieux, mais bon, ça y est. Hein. Je suis passé officiellement dernier de ce contre-la-montre avec Heihachi. Voilà, bon bah je limite la casse avec Heihachi à la fin, mais bon bah c'est pas bon du tout hein. C'est vraiment pas bon du tout. Alors faites voir le décompte, 28, 29, 31 ça va, 1 minute ça va pas, 20 c'est parfait, 32 ça va, et 2 minutes 3, voilà, stage 4 et stage 7, c'est la cata. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Bon bah voilà, un bon dernier Heihachi. Et alors là, ça va être compliqué de faire pire que ça. Donc je vous annonce qu'il ne gagnera pas le tournoi Tekken 4. C'est une certitude. J'aurais jamais parié sur un score pareil. Bon, et ben sur ces scores pitoyables, ce score pitoyable, nous allons nous arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aurez bien rigolé. Un combat infernal contre Ling Xiaoyu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve donc très bientôt pour la suite du tournoi Tekken 3. Il en reste plus beaucoup. Allez, salut à tous et portez-vous bien, ciao.